de leur intelligence. Voici ce que je dis et que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Dans vanité, il y a vain. C'est-à-dire, il n'y a rien au bout. C'est vain complètement. Et donc, on nous explique comment est-ce que l'intelligence des païens est faite. C'est-à-dire leur pensée. C'est écrit, ils ont la pensée obscurcie. Dans l'obscurité, il y a les ténèbres, la pénombre. C'est noir, l'obscurité. Et c'est maintenant, lorsque la lumière du Seigneur vient, que l'intelligence est illuminée par la lumière du Seigneur. Si on n'a pas le Seigneur, notre intelligence est obscurcie. C'est-à-dire que notre intelligence est dans les ténèbres, en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc, ils ont l'intelligence en tant que païens dans les ténèbres. Même s'ils sont sages selon ce monde-ci, mais selon Dieu, leur intelligence est dans les ténèbres. C'est quand la lumière du Seigneur, comme on voit dans Jean 1, que Jésus-Christ est lumière, c'est quand la lumière du Seigneur vient dans leur vie que leur pensée devient éclairée. S'ils acceptent, parce que Romains 12, verset 2, comme on le sait, dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et pour que l'intelligence soit renouvelée, il faut qu'il soit éclairé par la lumière du Seigneur. Donc si on laisse la parole de Dieu, qui est la lumière du Seigneur, nous éclairer, souvenons-nous de Jean 1. La parole qui était la lumière est venue au milieu des siens, les siens ne l'ont pas reçue, ainsi de suite. On a déjà lu ça plusieurs fois. Donc c'est quand nous laissons la lumière de la parole de Dieu éclairer notre intelligence, que l'obscurité qui était dans notre intelligence part. Mais si nous nous conformons au siècle présent, c'est-à-dire si nous marchons comme les gens de ce monde-ci, comme les païens de ce monde-ci, nous allons garder notre intelligence toujours obscurcie. Si on ne laisse pas la lumière de Dieu éclairer notre intelligence complètement, elle restera dans les ténèbres et on continuera à marcher comme des païens. Ce n'est pas étonnant de voir souvent des chrétiens qui, normalement, ont confessé Jésus-Christ, se sont repentis, sont même passés dans les eaux du baptême, agir comme des païens, en fait. C'est simplement parce que ces enfants de Dieu-là n'ont pas laissé la parole de Dieu éclairer leur intelligence, pour que les ténèbres qui étaient dans leur intelligence partent et que cela soit remplacé par la lumière de Dieu. Donc, c'est ce qui est écrit ici. Donc, nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, verset 17, 18 maintenant. Ils ont la pensée obscurcie. Et pourquoi leur pensée est obscurcie? Un, on a déjà dit, parce qu'ils n'ont pas accepté que la lumière de Dieu puisse éclairer leur pensée. Et ça peut nous arriver aussi à nous, enfants de Dieu. Souvenons-nous du verset 17. Il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens. C'est ce qui est écrit là. C'est que vous ne devez plus marcher comme des païens. Ça veut dire que je peux être un enfant de Dieu. Cela ne veut pas dire que automatiquement je vais marcher comme un enfant de Dieu. Cela ne veut pas dire que automatiquement je vais marcher par l'esprit. Le Saint-Esprit va me proposer la marche par l'esprit en me montrant la volonté du Seigneur. Par contre, j'ai une décision à prendre par rapport à ce que l'Esprit de Dieu me montre. Donc, si je ne prends pas la bonne décision, je marcherai par la chair, je marcherai comme les païens, en fait. Donc, quand il dit, vous ne devez plus marcher comme des païens, en réalité, ce qui est là, c'est que vous devez prendre la décision de ne plus marcher comme les païens. C'est ça que ça veut dire. Voilà pourquoi, en fait, le jour de notre baptême, on prend l'engagement de bonne conscience devant le Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'engagement de bonne conscience? L'engagement de bonne conscience envers le Seigneur, ça veut dire qu'à chaque fois que le Saint-Esprit va me montrer ce qui est bon,
va me montrer le chemin, va me montrer la volonté de Dieu, c'est celle-là que je vais choisir. C'est-à-dire que, en m'engageant dans les eaux du baptême pour être désormais membre du corps de Christ, désormais ma volonté, je la soumets à celle du Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Je vais soumettre ma volonté au Seigneur parce que Dieu ne viole la volonté de personne, ni des païens, ni des chrétiens, ni même celle du diable. Il ne viole la volonté de personne. Tant que Dieu a créé un être libre avec le libre arbitre, Dieu va toujours et toujours respecter le libre arbitre de chacun. Il ne va jamais revenir sur cette décision-là. Donc voilà pourquoi un enfant de Dieu, en réalité, c'est quelqu'un qui a pris la volonté, qui a pris la décision de soumettre sa volonté à Dieu, c'est-à-dire de revenir avec le libre arbitre que Dieu lui a donné et dire, Seigneur, avec ce libre arbitre-là, je vais choisir de faire ce que tu me demandes de faire et non plus ce que je veux faire. C'est ça même, la définition du péché, c'est ça. Je fais ce que je veux et non ce que Dieu veut. Nous avons la définition dans Ésaïe, Ésaïe 53, verset 6, je crois, qui dit « Nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. » C'est ça la définition du péché. C'est suivre sa propre voie et non suivre celle de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous montre sa volonté et il nous laisse libres, mais nous, nous choisissons la nôtre. C'est ça le péché. Comme le Seigneur, un autre verset qui prouve que Dieu ne viole la volonté de personne, c'est dans Apocalypse 3, 20, où il dit, voici, je me tiens à la porte. Dieu peut bien venir, il enfonce la porte, il entre et il fait sa volonté dans notre vie, mais il ne fait pas ça. Il se tient à la porte et il frappe. Et il dit, si quelqu'un ouvre, donc on a toujours une décision à prendre. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai. C'est quand la personne a ouvert son cœur, c'est quand quelqu'un a décidé de ne plus marcher comme un païen, que Dieu peut l'aider maintenant par son esprit à ne plus marcher comme un païen. Mais s'il veut marcher comme un païen, s'il veut continuer à vivre comme il vivait avant de se convertir, Dieu ne va pas l'empêcher de faire ça. Mais à la fin, la Bible dit que l'affection de la chair, c'est la mort. Ça l'entraînera à la mort. Il confessera de sa bouche, je suis chrétien, mais il sera jugé avec ceux qui font les œuvres des païens à la fin. Parce que Dieu est juste. Donc, si nous faisons les œuvres des païens et qu'il ne nous juge pas avec les païens, Dieu serait injuste. Et Satan même pourrait l'accuser. Or, Dieu est parfaitement juste. Donc, on avait dit Ésaïe, Ésaïe 53, j'ai cité le verset... verset 6, oui, oui frère. C'est vraiment très important ce que tu dis là. Vraiment très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'autres cas. Mais on devait déjà commencer déjà par remettre tout dans les mains de Dieu par la prière. Et... frère, il faut laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il fait. Ce n'est pas ici qu'on vient prier. Les réunions se préparent avant. On doit avoir prié déjà avant. Quand on arrive, là, on suit le Saint-Esprit. Donc, moi-même, j'ai dit au début qu'on doit prier, non? J'ai juste commencé une phrase et puis l'Esprit de Dieu m'amène. Le moment de la prière va arriver. Hein, frère, on doit se préparer. Ce n'est pas pendant le culte qu'on prépare le culte, c'est avant. On doit se préparer déjà avant dans la prière. Quand on arrive, on suit la direction du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Donc, Ésaïe, lui, c'était Ésaïe 53, verset 6, qui dit, nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Donc, ça, c'est la définition du péché. Je fais ce que je veux, je fais ma volonté, et je ne fais pas celle que Dieu me montre. Donc, l'intelligence obscurcie, c'est un choix quand on est un enfant de Dieu. Si on n'est pas un enfant de Dieu, c'est naturel qu'on marche comme ça, parce qu'on ne connaît que les ténèbres,
Par contre, celui qui est devenu un enfant de Dieu, normalement, il est passé des ténèbres à la lumière. C'est ce que Actes des Apôtres, chapitre 26, quand Paul parle au roi Agrippa, il va dire que, voilà, Actes chapitre 26, verset 17. Quand Dieu a parlé, donc c'est Paul qui raconte au roi Agrippa comment est-ce que Dieu lui a parlé, qu'est-ce que Dieu lui a dit. Donc c'est écrit, je t'ai pris du milieu de ce peuple des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir quoi, les yeux. Ça veut dire qu'ils ont les yeux fermés. Donc les païens ont les yeux fermés. Si les yeux de quelqu'un sont fermés, ça veut dire que tout son corps, tout son être, comme Jésus a dit, est dans l'obscurité. Dont son intelligence aussi en fait partie. Est dans le noir. Ferme tes yeux et regarde dans quel état est ton corps, dans l'obscurité totale. Donc leur intelligence est obscurcie. Et il dit ici, Dieu lui donne la mission en fait d'aller amener les âmes à Christ et... La signification, l'autre implication, l'autre signification, lorsque quelqu'un vient à Christ, c'est que ses yeux vont s'ouvrir. Les yeux étaient fermés et ils vont s'ouvrir. Et ça, en fait, je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux. Lui-même, avant d'ouvrir les yeux aux autres, on lui a ouvert les yeux. N'oublions pas, allons dans Acte 9. Avant que Dieu ne l'envoie ouvrir les yeux des autres, lui-même d'abord, ses propres yeux doivent être ouverts. Sinon, on va tomber dans ce que Jésus dit. Si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans le trou. C'est ça. Donc, Actes chapitre 9. Lorsque Jésus a envoyé Ananias, verset 17, dans la rue qu'on appelle la droite chez Judas, là où Saul était en train de prier. Et donc, c'est écrit, verset 17, acte 9, verset 17, Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, et dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres quoi? La vue. En fait, à chaque fois que quelqu'un se convertit, en réalité, il recouvre la vue parce qu'il n'avait pas la vue. Il était dans les ténèbres. Il était dans l'obscurité. Son intelligence était obscurcie, était dans la mort. Donc, pour que lui-même, ici là, au chapitre 17, puisse aller ouvrir les yeux aux autres, il faut que ses propres yeux aient été ouverts d'abord. Et avant que ses yeux ne soient ouverts, il a fallu que lui-même il réalise qu'il était dans l'obscurité. C'est pour ça que Dieu a fait tomber sur lui la cécité physique. Il est devenu aveugle. Si on lit le chapitre 9 avant, quand la lumière de Dieu est venue sur lui, il est d'abord tombé dans l'obscurité pour lui montrer son état spirituel parce qu'il pensait qu'il était... Il faisait le travail de Dieu, sauf qu'il n'était pas avec Dieu. Il faisait exactement le contraire du travail de Dieu. Je parle de Saul de Tarse qui est devenu Paul après. Il faisait exactement le contraire du travail de Dieu, pensant servir Dieu. Donc, quand la lumière de Dieu est venue sur lui, la lumière de Dieu l'a ébloui d'abord et lui a révélé son état spirituel. Et son état spirituel, c'était l'aveuglement, c'était la cécité, c'était l'obscurité. Voilà pourquoi il est tombé dans l'obscurité pendant 3 jours. Et après avoir réalisé maintenant physiquement qu'il était dans l'obscurité, il a pu réaliser spirituellement aussi qu'il était dans l'obscurité. Ensuite, maintenant, verset 17, Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit, « Saul, mon frère, Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. » Voilà ce qui faisait la cécité,
ce voile-là tombe de ses yeux. Parce que les yeux, c'est la lampe du corps, éclaire tout le corps, c'est ce que Jésus a enseigné. Donc, si ton œil, justement, est aveugle, en fait, tout le corps sera dans l'aveuglement, dans l'obscurité. Donc, c'est pour ça qu'on doit faire attention à ce que nos yeux physiques voient. Parce que ce que nos yeux physiques voient peut entraîner, justement, spirituellement des choses également. Donc, c'est une porte d'entrée dans notre corps. On doit faire très attention à ce que nous laissons nos yeux voir. Donc, ensuite, maintenant, alors, il se leva et fut baptisé. Revenons dans Actes chapitre 26, verset 17. « Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres à la lumière. » Donc, qu'il passe des ténèbres à la lumière, qu'il passe de l'obscurité à la lumière, que leur intelligence qui était dans l'obscurité, dans les ténèbres, vienne à la lumière. Donc, en venant, qu'est-ce qui est lumière? C'est la parole de Dieu. Que cette intelligence-là soit éclairée par la parole du Seigneur. Et une fois qu'elle est éclairée par la parole du Seigneur, il y a une décision à prendre. Soit accepter de conserver cette lumière, soit dire, je ne veux pas de cette lumière-là, ça c'est garder sa propre décision. Je ne veux pas de cette lumière et Dieu ne nous force pas pour nous éclairer, il va nous laisser dans l'obscurité. Souvenons-nous dans Matthieu 8, quand Jésus arrive au pays des Gadaréniens, quand il va arriver comme ça sur la rive, il va voir ce démoniaque-là qui était tellement violent, qui vivait dans les sépulcres et tout, qui va venir se prosterner devant lui et qui va dire, « Es-tu déjà venu nous tourmenter avant le temps, Jésus, fils de Dieu ?»« Si tu nous chasses, ordonne que nous allons dans les pourceaux. » Et Jésus va ordonner, ils vont partir. Qu'est-ce que les gens qui surveillaient ces pourceaux-là vont faire? Ils vont aller appeler les gens de la ville. Et quand les gens de la ville arrivent, ils disent à Jésus, « Pars, sors de notre territoire !» Jésus n'a pas dit une seule parole pour résister, il est parti. C'est ça. Accepter la lumière ou la rejeter. Il est parti tout de suite. Il n'a pas insisté un seul instant. Ça, c'est Jésus dans le domaine physique. Ça nous préfigure. De la même manière, c'est comme ça que le Saint-Esprit travaille aussi. Il vient, il nous éclaire. Si on lui résiste, il nous laisse tranquille. Il va ailleurs, là où on va lui ouvrir la porte. Donc, des ténèbres à la lumière. Ensuite, maintenant, du pouvoir de Satan au pouvoir de Dieu. Donc, il y a une similitude. Si je suis dans les ténèbres, je suis au pouvoir de Satan. Si je suis dans la lumière, je suis au pouvoir de Dieu. Si je suis dans les ténèbres, c'est Satan qui agit dans ma vie. Si je suis dans la lumière, c'est Dieu qui va agir dans ma vie. Donc, si je suis un chrétien et que je marche encore dans les ténèbres et que je ne laisse pas, que je continue à m'attacher à ce que les païens font, mais le Dieu des païens, c'est lui qui va diriger ma vie, à savoir Satan. C'est lui qui va diriger ma vie. Même si je dis avec ma bouche que je suis chrétien, mais le fait de n'avoir pas confié ma volonté au Seigneur, de n'avoir pas soumis ma volonté au Seigneur, c'est Satan qui va diriger ma vie et non Dieu. Et ça peut arriver dans certains domaines encore. Malheureusement, en fait, tous les domaines de notre vie ne sont pas encore soumis à l'autorité du Seigneur. Et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Donc, voilà le travail que Saul avait à faire. Nous sommes simplement en train d'expliquer Éphésiens chapitre 4, verset 18. Et ça, c'est parti du sujet de prière. Ça, en fait, ça va nous permettre de savoir, parce que pour prier, il faut prier selon la volonté de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut explorer la parole. Donc, pour que notre prière, quand on va arrêter les cons, on va commencer à prier pour ce sujet-là, pour que notre prière soit efficace, il faut qu'on ait compris qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et pour comprendre ça, il faut entrer dans la parole. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu m'a conduit à rentrer d'abord, expliquer pourquoi il y a cette réaction-là. La réaction que la sœur a posée là, du mari qui ne veut plus qu'elle suive, qu'elle participe au veillée de partage biblique.
Pourquoi il y a cette réaction-là? Pourquoi est-ce que c'est sûr? Est-ce que ça doit même être surprenant ou pas? Dans quel sens est-ce qu'on doit prier? Donc, il dit ici, vous ne devez plus, et on en profite pour faire une exhortation, même pour ceux qui sont censés déjà être dans la lumière, comme nous tous ici. Donc, ensuite, maintenant, nous étions au verset 18. Ils ont, les païens, normalement, ça, ce ne sont pas les chrétiens. Mais ce sont les chrétiens qui ne marchent pas comme les païens, qui ne sont pas concernés. Si un chrétien, se nommant chrétien, marche comme un païen, il est concerné par le verset 18. Voilà pourquoi on peut rencontrer des chrétiens mondains, on peut rencontrer des chrétiens qui n'auront aucun mal avec tout ce que le monde fait, la mode du monde, l'extravagance du monde, tout ça, ils embrassent tout. La richesse même du monde. Et il y a des chrétiens qui aspirent à rouler dans une Ferrari. Moi, j'ai entendu un chrétien avec qui on qui m'avait invité pour me présenter, je sais pas, il faisait du marketing par réseau, la vente par réseau et tout. Il me parlait d'un produit et il rêvait d'avoir une Ferrari et de laisser un grand héritage à ses enfants. Je dis, mais ça c'est le rêve du chrétien, ça. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a laissé au s'il avait des personnes dont il s'occupait, sa maman par exemple. Quand il meurt à la croix, est-ce qu'il dit, bon, ok, maman, je t'ai laissé une maison à tel endroit, je t'ai laissé une voiture là-bas. Il n'avait même pas de maison. Il fallait qu'il dise encore à Jean, fils, voilà ta mère, mère, voilà ton fils. Bon. Donc ici, il est dit, verset 18, ils ont la pensée obscurcie et comme leur pensée est obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Il y a deux implications, c'est dans les deux sens. C'est une équivalence, implication de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. C'est-à-dire que, pourquoi leur pensée est obscurcie? Parce qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils n'ont pas de communion avec Dieu. De la même manière aussi, si quelqu'un n'a pas de communion avec Dieu, alors sa pensée sera obscurcie. Je suis un enfant de Dieu, je n'entretiens pas ma communion avec Dieu, mon intimité avec Dieu, ma pensée va devenir progressivement obscurcie. C'est-à-dire que si je ne médite pas constamment la parole de Dieu, progressivement, cette pensée qui avait été nettoyée peut-être avant, par ma repentance, par la parole de Dieu, par mon obéissance que j'avais commencé, si je néglige d'entretenir, de garder toujours ma pensée dans la lumière, elle va recommencer à s'obscurcir. Parce que Satan veut toujours alimenter notre pensée et nous devons lutter pour ne pas laisser ce que Satan veut alimenter. Parce que c'est lui qui est le Dieu de ce siècle. Jean 1, verset 19. Le malin est celui qui domine dans ce monde-ci. Et c'est à lui qu'appartient tout ce que... Enfin, c'est lui qui a la domination et le contrôle sur tout ce qui vient devant nos yeux, de tout ce que nous entendons. Donc, il va essayer d'utiliser tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, pour alimenter notre pensée, afin que notre pensée soit contrôlée par lui. Il nous envoie des mauvaises pensées et voit comment nous réagissons. Donc, si on ne laisse pas la parole de Dieu balayer tout ce que le monde nous montre, si je vois une femme mal habillée devant moi, en mini-jupe, ainsi de suite, si je n'efface pas rapidement cette pensée-là de ma tête, ça va commencer à nourrir quelque chose en moi. Et si j'entretiens ça, ça va produire le péché. Je dois, tout de suite, quand ça arrive, je sais que cette pensée, si ne vient pas de Dieu, je la jette à la poubelle. Je ne la conserve pas. C'est ça. C'est un vrai combat spirituel. Le combat spirituel du chrétien est d'abord dans la pensée. On va arriver au jeûne que vous avez fait, mes frères et sœurs. Justement, le vrai combat spirituel de toute la vie du chrétien est d'abord dans la pensée. Parce que le diable sait que s'il contrôle la pensée d'un chrétien, c'est bon. Il l'a dans sa poche. Donc, comme on a dit, l'implication est dans les deux sens. Si j'ai une pensée obscurcie, je serai étranger à la vie de Dieu, c'est-à-dire que je ne comprendrai rien à la volonté de Dieu.
je ne comprendrai rien à la volonté que l'Esprit de Dieu me communique. Et de même, si je suis étranger à la vie de Dieu, c'est-à-dire si je n'entretiens pas, si je suis déjà enfant de Dieu, je parle pour nous, je n'entretiens pas mon intimité avec le Seigneur, alors ma pensée sera obscurcie. Si je n'obéis pas au Seigneur, alors ma pensée sera obscurcie aussi. Parce que je vais marcher comme un païen. Si on s'accorde à Romains 12 qui a été mis là-bas, Romains 12 verset 2, je ne serai pas transformé par le renouvellement de l'intelligence parce que une intelligence renouvelée ne peut être qu'une intelligence qui est dans la lumière de la parole de Dieu. Ensuite, maintenant, ici, on nous donne encore une autre raison pour laquelle la pensée est obscurcie. À cause de l'ignorance qui en est. Qu'est-ce qui fait partie de l'ignorance? Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance, parce qu'il est ignorant. Comment faire partie de l'ignorance? C'est en méditant la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait partie. On en revient toujours à la même chose. La parole de Dieu est une lampe sur notre sentier, est une lumière. La parole de Dieu nous permet de rester dans la lumière. Et ça revient au témoignage de Ange Marianne dans la semaine qui nous a témoigné ce que la méditation simple de la parole de Dieu a pu apporter comme révolution dans sa vie spirituelle. On aura beau entendre les gens, enfin les frères et sœurs parler de la part du Seigneur, de la parole de Dieu, cela ne remplacera jamais une méditation personnelle où moi-même personnellement, je me mets devant le Seigneur, je dis Seigneur, éclaire-moi dans ta parole et je commence à méditer. Ça ne remplacera jamais aucun message que quelqu'un, un être humain prêche ne remplacera jamais ça. Jamais. Nous devons toujours avoir ce moment de communion personnelle où nous sommes seuls devant la parole du Seigneur. Où le Seigneur lui-même nous parle. Où le Seigneur lui-même... Vous avez vu, pour ceux qui sont mariés, il y a des moments d'intimité entre un mari et une femme. Et son épouse. Il y a un moment d'intimité et il n'y a pas de tiers qui est présent. Là, ils peuvent se chuchoter dans les oreilles. L'un et l'autre entend la méditation de la parole de Dieu. Il n'y a pas de tiers entre les deux. Entre Dieu et nous, il n'y a pas quelqu'un qui prêche la parole. C'est nous-mêmes qui sommes là devant cette parole-là. C'est un moment d'intimité. La nature elle-même nous enseigne déjà. Et dans le Seigneur, c'est la même chose. Donc, ici, il dit... à cause de l'ignorance qui en eux. Et cette ignorance-là est produite par quoi? L'endurcissement du cœur. C'est-à-dire que si la lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue, donc le cœur va s'endurcir. Donc si Dieu nous montre quelque chose qui est dans les ténèbres et que nous refusons, le cœur va commencer à s'endurcir. Donc, l'endurcissement du cœur va provoquer l'ignorance. L'ignorance même va provoquer le fait que nous soyons étrangers à la vie de Dieu, c'est-à-dire qu'on ne comprendra pas les choses du Seigneur. Dieu peut être en train de travailler dans notre vie, on ne sait pas, on se dit que Dieu est tellement loin de nous, alors que Dieu est en train de faire un travail profond dans notre vie. Mais comme on ne sent rien, comme on ne voit rien, ah, Dieu m'a oublié, Dieu ne m'aime pas, Dieu... parce qu'on est étranger en fait. Ça, en fait, ça revient à beaucoup de questions que souvent les enfants de Dieu se posent. Est-ce que Dieu entend mes prières? Est-ce que Dieu ne m'a pas abandonné? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que... ça, en fait, c'est à cause de l'ignorance en fait qu'il y en a. C'est parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu, justement, avec qui ils sont en communion. Avec qui ils sont censés être en communion. Ils ne le connaissent pas. Donc, ils se posent des questions qui, normalement, ne doivent même pas se poser. Alors, pour en revenir maintenant, le parallèle entre tout ce qu'on a dit jusqu'ici, c'est pour comprendre que si quelqu'un n'est pas en Christ, ça veut dire qu'il est païen. Hein?
Et donc, si quelqu'un, je parle du seul vrai Christ qui existe, qui est dans la Bible, je ne parle pas d'une religion. Si quelqu'un me dit qu'il est catholique et qu'il est ou même protestant, ou s'il me dit pas qu'il est né de nouveau, c'est qu'il est païen. C'est quand on naît de nouveau selon la parole de Dieu, en passant par la repentance et en s'engageant dans les eaux du baptême, qu'on devient un enfant de Dieu et qu'on n'est plus païen. Donc, ça peut choquer si quelqu'un dit qu'il est catholique et on lui dit qu'il est païen, ou bien il dit qu'il est protestant, on lui dit qu'il est païen, ou bien qu'il dit même toute autre religion chrétienne. Donc, ensuite, si on est païen, l'intelligence est obscurcie. Comme l'intelligence est obscurcie, ça veut dire quoi? Étranger à la vie de Dieu. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire là? Partager. Partage biblique entre frères et sœurs. Partage de la parole du Seigneur. Partage du pain descendu d'en haut qu'est la parole de Dieu. Ça, c'est la vie de Dieu. Prière les uns pour les autres. Communion fraternelle. Tout cela, c'est la vie de Dieu. S'ils sont étrangers à la vie de Dieu, ça veut dire quoi? C'est la réaction naturelle de quelqu'un qui est étranger à la vie de Dieu, c'est de la rejeter. C'est de rejeter ceux qui veulent être, comment dire, qui ne veulent pas être étrangers à la vie de Dieu. Donc, le cas, le sujet de prière que la sœur nous soumet là, est un sujet qui devait naturellement arriver. C'est-à-dire que si un mari ne vient pas, s'il vous encourage à venir prier là, vous pouvez dire gloire à Dieu parce qu'il est sur le chemin de la conversion des gens. Mes sœurs, si votre mari vous encourage à venir prier là et accepte que vous passez la nuit à prier et à chercher la face de Dieu, c'est qu'ils sont sur le chemin de la conversion. Parce que, en fait, si quelqu'un a commencé, si son intelligence a commencé un petit peu à recevoir la lumière de Dieu, il comprendrait, en fait, que ce temps que vous êtes en train de mettre à profit, à passer dans la présence de Dieu, ce temps-là sera bénéfique pour l'ensemble du foyer, pour l'ensemble de la famille. Parce que l'Église de Dieu peut prier pour les problèmes qu'il y a chez vous. Parce que l'Église de Dieu peut prier pour ses problèmes à lui, alors qu'il n'est pas là. Parce que l'Église de Dieu peut intercéder. Et la Bible dit que là où deux ou trois s'accordent, la puissance de la prière de l'Église, la prière de l'Église est bien plus efficace que la prière individuelle. Je ne dis pas qu'on ne doit pas prier individuellement. On doit prier individuellement, mais il y a la prière d'intercession aussi de l'Église, qui est très efficace. Donc, ce que la sœur, notre sœur, nous a posé comme problème, c'était prévisible que cela arrive si le mari n'est pas encore sur le chemin de la conversion. C'est que le fait, justement, qu'elle se rapproche de Dieu. Souvenons-nous que la Bible nous dit dans Éphésiens 6 que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous devons lutter, mais c'est contre les principautés, les pouvoirs, les dominateurs, les puissances des ténèbres dans les lieux célestes. Ce sont ces puissances-là qui maintiennent des personnes captives. Ce sont ces esprits-là qui poussent à combattre tous ceux et celles qui ont l'Esprit de Dieu. Le combat, il est spirituel. Quand elle dit « Mon mari ne veut plus que... » J'assiste à ça, ce sont les esprits qui le maintiennent dans les ténèbres, qu'il ne veut pas, parce que la sœur est en train de se rapprocher de la lumière. Et ça, c'est une menace, parce que sa propre délivrance, celui qui interdit, sa propre délivrance est proche. Voilà pourquoi les esprits réagissent. C'est toute la lecture qu'il faut avoir derrière. Si on n'a pas cette lecture-là, en fait, on peut commencer à combattre un homme, on peut commencer à combattre la chair qui est là devant nous, alors que ce n'est pas contre la chair qu'on doit lutter. La sœur peut commencer à s'irriter contre son mari, ce n'est pas ça. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il faut fléchir les genoux pour combattre ces esprits-là.
qui maintiennent l'intelligence fermée. Lorsque ces esprits sont neutralisés, maintenant la lumière, Dieu peut commencer à frapper, frapper. Et là, il peut entendre que Dieu est en train de frapper à sa porte. Parce que tant que l'intelligence est obscurcie, ça veut dire que les oreilles aussi sont fermées. Quand les oreilles sont fermées, on n'entend pas. Si vous mettez des, je ne sais plus trop comment on appelle les espèces de bouchons qui bouchent les oreilles là, et que quelqu'un sonne chez vous, vous n'allez pas entendre, ou tape à la porte, vous n'allez pas entendre. C'est la même chose de quelqu'un qui a l'intelligence obscurcie. Ça veut dire que tout son être est dans les ténèbres, y compris les oreilles. Donc les oreilles n'entendent que ce qui est dans les ténèbres. Ce qui vient de la lumière, les oreilles n'entendent pas. Donc Dieu frappe, il n'entend pas. Donc, en priant maintenant, nous demandons au Seigneur d'ouvrir ses oreilles pour entendre l'appel qui vient de la croix. Comment Dieu est en train de frapper. C'est une bénédiction d'avoir une femme qui prie. Mais ça, il ne peut pas le savoir. C'est une bénédiction d'avoir un mari qui prie. C'est une bénédiction d'avoir un enfant qui prie, qui est un enfant de Dieu. Parce que c'est une lumière au milieu des ténèbres dans notre famille. Ça, à cause de son intelligence qui est dans l'obscurité, il ne peut pas comprendre ça. Mais Éphésiens nous dit que le combat, il est spirituel. Donc, il faut comprendre dans quel sens orienter la prière. Lorsqu'on va prier pour ce sujet. Et ça ne serait pas étonnant que d'autres cas comme ça arrivent encore au milieu de nous. Il ne faut pas être étonné de ça. C'est pour ça qu'on prend le temps d'expliquer spirituellement qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela. Afin, justement, que on va prier maintenant, mais que personnellement aussi, dans notre intercession, que nous portons devant le trône de grâce les sœurs qui ont des maris inconvertis, les frères qui ont des femmes inconverties, et ainsi de suite. Pour que, justement, Dieu touche les cœurs, mais en même temps que le conjoint qui est converti n'est pas une intelligence obscurcie. Parce que si son intelligence est obscurcie, il va combattre contre une personne physique déjà et être un contre-témoignage. Ensuite, si son intelligence est dans l'obscurité, il ne sera pas un témoignage pour celui qui est dans l'obscurité. Si les deux sont dans l'obscurité, en fait, voilà, il n'y aura pas de lumière. Il faudrait que celui qui est converti ou celle qui est convertie puisse être une lumière pour l'autre, celui qui est ou celle qui est dans les ténèbres. C'est important, en fait, de pouvoir discerner spirituellement cette situation. C'est un combat spirituel, c'est deux esprits qui s'affrontent, en fait. Si on est dans une maison, le mari ou la femme, l'un des conjoints n'est pas converti et l'autre est converti, ça va être un combat spirituel parce que c'est deux esprits qui ne cohabitent pas ensemble. Il est dit en fait que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Or, dans un corps, il y a un seul esprit. Soit c'est l'esprit de Dieu qui est là, soit c'est l'esprit du malin. Comme ils sont une chair, mais l'un a un esprit, l'autre a un autre esprit, les deux esprits combattent pour occuper cette seule personne qu'ils sont devenus. Voilà pourquoi, pour éviter ce combat-là, le Seigneur nous exhorte dans sa parole, si je suis converti, à aller épouser quelqu'un qui est converti. Comme ça, il n'y aura pas ce combat spirituel. Nous deviendrons une seule chair et il y aura un seul esprit. Dans cette une chair-là que nous sommes devenus, il y aura un seul esprit. Mais si je suis chrétien, je vais prendre un païen. Ou je suis chrétien, je vais prendre un païen. Je suis chrétien, je vais prendre une païenne. En fait, on sera une chair, mais avec deux esprits. Et ça va être dangereux. Parce qu'il y aura un combat spirituel et il y aura forcément un vainqueur. Soit celui qui est converti va s'affaiblir, rétrograder et retourner dans le monde. Et ça sera l'esprit méchant qui aura remporté le combat. Ça, c'est le plus courant. Soit celui qui est converti va persévérer et va réussir à entraîner l'autre, justement. Mais au final, il y aura un seul esprit qui va demeurer. C'est ce combat spirituel qu'on va rencontrer. Cela peut aussi arriver même dans un couple chrétien où l'un marche par l'esprit et l'autre marche par la chair. L'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'esprit. Il y aura toujours aussi ce même combat spirituel. Ce n'est pas du même ordre que quand c'est vraiment deux esprits qui s'affrontent. Là, c'est vraiment
comme un esprit humain et l'esprit de Dieu qui sont en train de s'affronter, mais il y aura toujours ces étincelles-là. Et il faut comprendre ces choses-là spirituellement. Donc, voilà un peu pour descendre vraiment dans la profondeur spirituelle qu'il y a derrière ce sujet de prière. Maintenant, on peut élever la voix pour présenter ce sujet de prière-là en particulier au Seigneur, mais en même temps élargir, parce que ça, aujourd'hui, ça touche notre sœur, mais demain, ça peut toucher une autre ici au milieu de nous, dont le mari n'est pas converti, ou dont la femme n'est pas convertie, ou même dont le mari et la femme sont convertis, et s'ils rétrogradent, ça peut arriver aussi, que dans le couple, il y a un qui rétrograde et qui commence à tirer l'autre vers le bas. Ça aussi, il faut être vigilant là-dessus. Il ne faut pas que celui qui a encore l'intelligence qui est dans la lumière laisse que son intelligence soit assombrie par celui qui laisse son intelligence s'assombrir. Ça aussi, il faut veiller là-dessus. Donc ça, c'est un sujet de prière à la base, mais avec ce que nous avons lu là, on peut élargir cela parce qu'il y a plusieurs cas de figure là dans l'église dont on a parlé là. Il y a plusieurs cas de figure et remettre toutes ces situations-là entre les mains du Seigneur. Nous savons que celui qui est dans la lumière, son rôle, c'est de maintenir les genoux fléchis et de prier. La bataille se remporte dans la prière. Ce n'est pas dans le parler. Ça se remporte dans la prière et dans le témoignage personnel. C'est comme ça qu'on gagne, en fait, ce combat-là. Prière, témoignage personnel. Quand quelqu'un bloque comme ça, ce n'est pas la peine d'aller discuter. Il n'y a pas à discuter. C'est dans la prière et le témoignage. C'est comme ça que Dieu, le Seigneur va éclairer et toucher cette personne. Parce que c'est l'Esprit de Dieu, en fait, qui va commencer à déboucher les oreilles de la personne. Et les questions, Dieu lui-même va mettre des questions dans la bouche de la personne sur son propre sort. Et c'est comme ça que la prise de conscience va commencer et l'Esprit de Dieu va commencer à parler dans le cœur de cette personne. Amen. Que Dieu soit béni. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de grâce, nous te bénissons pour ton Esprit qui continue de se manifester dans ton Église. Merci Père pour ce moment que tu nous accordes encore de passer dans ta présence. Merci Seigneur mon Dieu pour ta parole qui est la vérité et cette parole, Seigneur, qui nous éclaire chaque jour. Merci Père parce que tu ne nous as pas laissés ignorants de quelque manière que ce soit. Tu as prévu toutes choses dans ta parole. C'est pour cela, ô Seigneur notre Dieu, que le monde ne peut pas comprendre la profondeur, la largeur de ta parole, celle-là qui est là pour confondre les sages et les intelligents de ce monde. Père, merci pour tout ce que tu viens encore de nous enseigner ce soir au sujet, Père, de l'obscurité dans laquelle se trouvent ceux qui ne t'ont pas encore reçu, ni accepté comme Seigneur et Sauveur. Père, voici nos deux sœurs, la sœur Amandine et la sœur Louise. Seigneur mon Dieu, toi qui les as appelées à toi alors qu'elles étaient déjà mariées à des inconvertis. Seigneur, nous te bénissons parce que tout ce que tu fais est bon. Amen. Père, tu nous as dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Père éternel, tu nous as laissé les commandements. Et tu donnes, Seigneur, à toute personne qui vient à toi dans de telles conditions, vraiment de ne pas penser un jour au divorce, mais de demeurer dans ta présence, parce que c'est en toi, Seigneur mon Dieu, que nous puisons toute force, toute ressource, Seigneur, pour combattre contre les esprits de ce monde, contre les dominations, et tout ce qui peut s'élever, Seigneur, contre la connaissance du Fils de l'homme. Père, merci, parce que tu as donné cette charge à mes sœurs. Je te prie, Seigneur, par la force et la puissance du Saint-Esprit qui agit en elles, Seigneur mon Dieu, de leur donner la sagesse
l'intelligence en toute occasion, en toutes circonstances, fait pour qu'elles puissent vraiment manifester l'amour envers leur mari. Amen. Seigneur mon Dieu, qu'au travers de la vie, de la parole, dans leur ménage, que ces hommes puissent voir vraiment la transformation que tu peux apporter dans un être que tu as touché. Amen. Oh Seigneur mon Dieu, je sais que ce sont tes enfants que tu aimes. Père, guide-les, conduis-les. Père, en ce qui concerne leur mari, je te prie, Seigneur mon Dieu, de leur ouvrir l'intelligence afin que ta parole, Seigneur, puisse avoir une possibilité d'y entrer. Mm. Oh Père éternel, ne permets pas que nos sœurs soient un instrument qui s'oppose à cette vérité, ni à la transformation des cœurs qui sont à côté d'elles. Père éternel, merci parce que nous savons que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Tu es le Tout-Puissant. Amen. Tu es le puissant guerrier. Alléluia. Seigneur, combat à la place de mes sœurs. Alléluia. Et donne-leur vraiment d'avoir une vie de prière. Alléluia. Amen. Pour qu'elles puissent intercéder, non seulement pour leur mari, mais aussi pour leurs sœurs et leurs frères qui se trouvent dans la même condition. Amen. Père éternel, tu as confié à chacun de tes enfants que tu as appelés une mission bien particulière. Seigneur, cette mission, elle peut être pour un temps, comme elle peut être continuelle. Je te prie de te révéler à chacune de mes sœurs, amen, à chacun de mes frères aussi, alléluia, qui se trouvent dans la même condition, oui, Père, afin qu'ils le reçoivent. Cela non pas comme un fardeau, mm, mais comme un sujet de joie. Père, mm, afin que dans ces épreuves, dans ces moments difficiles, qu'elles puissent trouver une occasion de te glorifier, amen, de te louer et d'annoncer, Seigneur, par la vie et par la marche spirituelle, les bontés de l'Éternel. Alléluia. Merci Père pour tout ce que tu fais. Seigneur, je te prie aussi pour ceux-là qui sont convertis et qui vivent ensemble. Mmh. Seigneur, afin que personne ne se détourne de ta lumière. Amen. Et qu'il n'y ait pas un autre esprit, mmh, que ce soit du monde ou un esprit de l'homme, mmh, Père, qui vienne s'interposer à la connaissance de la vérité, ni à la lumière qui vient de toi. Père, agis et glorifie ton nom dans l'Église. Merci Seigneur mon Dieu, parce que ce témoignage qui vient de ton Église, Seigneur, est aussi là pour montrer au monde qu'ils ne te connaissent pas et qu'ils sont encore dans l'ignorance. Ô Père éternel, permets que nous soyons des bons ambassadeurs et que nous soyons vraiment des lumières, des chandeliers partout où nous sommes. Que toute la gloire te soit rendue, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.
femme, et ils deviendront une seule chair. Une seule chair et deux esprits n'est pas de toi, Seigneur. Ta parole nous dit que qui trouve une femme trouve le bonheur. Père, tu es bon, tu es miséricordieux. Tu as permis, Seigneur, que nous puissions être des hommes. Et par ta grâce, tu nous as donné une aide semblable à nous, les femmes. Seigneur, je te prie particulièrement pour mes sœurs qui vivent des moments, des épreuves dans leur vie de couple et dans leur relation avec Dieu. Parce que la personne que tu as mis à leur côté n'ont pas ta vision. Seigneur, je te prie de fortifier. Je te prie, ô Père éternel, de consoler. Je te prie, ô Père éternel, de parler au cœur de nos maris, de nos femmes, de celles que tu as choisi de mettre à nos côtés ou à celui que tu as choisi d'être à nos côtés. Mais que nous soyons cette lumière qui luise. Que nous soyons cet exemple par ta grâce et par ton amour qui montre que nous suivons un Dieu qui est bon. Et que même sans parole, Père de grâce, nous puissions gagner ceux qui sont encore dans l'obscurité, Père de grâce. Oh Père, je te prie pour ma sœur Louise. Et je te prie pour ma sœur pour mon autre sœur, Seigneur, qui vit les mêmes situations, Seigneur. Et que tu puisses te glorifier, ô Père éternel, dans cette situation, Seigneur. Et que, en voyant, Père de grâce, la façon ou la manière de vivre de nos sœurs que tu as appelées à toi, par le baptême et par la vie nouvelle en toi, Seigneur, que ça puisse leur toucher, que ça puisse, Seigneur, les impacter, que ça puisse transformer leur cœur, de façon à changer de vie, Père de grâce. Je te prie pour Jean Calvin, ô Père, que tu puisses, Père de grâce, étendre ta main toute puissante dans sa vie, Seigneur, de transformer, de faire tomber les cailles de ses yeux, Seigneur, d'ouvrir son entendement spirituel. Je te prie également, Seigneur, pour le mari de notre autre sœur, Seigneur, que tu puisses te glorifier dans cette situation, Père de grâce, car il t'a plu en ce moment. Il t'a plu, Père de grâce, de repêcher, de prendre ses enfants, des griffes des ténèbres, Seigneur, et de faire tes enfants, parce qu'ils ont cru en toi et parce qu'ils t'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Que de la lumière puisse luire, que de la lumière puisse éclairer, Père de grâce, et que leur mari, à la vue de cette lumière, Seigneur, puisse être transformé. Ô Père, glorifie ton nom dans cette situation. Glorifie ton nom, Seigneur, dans la vie de famille. Glorifie ton nom, Seigneur, dans divers épreuves qu'elle traverse. Que ton nom soit glorifié, Père de grâce, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.